Mooieé wallle goeten méi Num assSrom Luling an e Loléremer eësse letze boyech Am enger Rubrik Retroschwtzlech haut iwwer den Artikel an der Zeitung Geschwënn nr 13. Di Z Zeitung ass vun der Assoziioun Äerler Land aprochSPL steht 2004 bis 2000ön an 20 editorteur responsable jo matt periodik trimmestriel Paris a ju oktober janvier an auch eng internet seit aller.de die funktioniert leider nicht mehr zeitschrift vom allerler land numéro double sorz Interview exclusive de monsieur luling Shannon, test de connaissances en luxembourgeois, faculté université de Namur, le tombeau d'Armesine de A Clairefontaine, France, Platte, à Tringue, recherche sur le francique, cours en maternelle, Am Arlaland, remise des certificats au cours de luxembourgeois, Dallas. Dallas, c'est Arlaland, le spruch Maier ja, e schon äh, am Internetgesicht an e Schulleiter nëmmen äh, des seit nach Fo spprouch.com la Plattform kulturell de laSPL alerland erprouch Seiteite ent do ass ochner Appppe an dusteet an Jo ja, geo op aller.pe Seite 2 derObese an Spruch.be wat das dat weil er geht net an AlasB geht och net, dat das e bedauerlech am Internet, dat das einfach de Videel vum Pa Bayer scho lo de Zeitschrift do, äh, beim Raumem von puen Sofall Ech kommt mech selberver go me do runnnererin an mach we er stand den Interview Erlerland beim BE och nächt mi. da lohnet, dat ka och necht a Seite ver Partiizi Develo. das definitiv net, wie wann sei Welt verstoppeln, gen noch ganz g Klampfe, ma, mé wie gesosche Justpro. kommen bis Fund. Ma ja dann äh, schon dadoor lot gescannt, weil de Schuler der ki scannneri méi schon ver Fotoschaffen. Das funktioniert wie man to ja, ja schön doch zu klappen ja also dann nur da ähm, ich mein mich was sie fort und dafür kann ich leider nicht vielgeleräer von ennger synthetischer stem muss ich selberfehllesen an ein interview war vom her Christian heine esließ wirklichschnitt me ob äh, mir als getroffen. Ich weiß das schnell einmal zwei, drei Mal gesehen und mir schweist nämlich, ob mir als getroffen oder ob hier nicht so über E-Mail organisiert hat. Mal ja so schnell mich was, mal mal schlaue sind nun ja wohl maximum ja. Le professeur äh, François Chanet et Monsieur Jérôme Lullin, enseignants de Luxembourg à l'université de Namur, ont bien voulu accorder à la revue Goucheon une interview exclusive. Ces deux scientifiques forment un duo très dynamique dans le domaine de la linguistique luxembourgeoise. Ils ont d'ailleurs publié ensemble récemment l'ouvrage « Luxtico », comprenant 48 000 traductions français-luxembourgeois-luxembourgeois-français, la switch bidirectionnelle. Le professeur Shannon vient, quant à lui, de publier une grammaire qui s'intitule « Parlons luxembourgeois ». Malgré son succès croissant, la langue luxembourgeoise est encore négligée par la Grande Région. Seules quelques personnes isolées semblent vouloir sortir cette langue de, la, de sa léthargie scientifique. Le luxembourgeois est devenu aujourd'hui plus que la langue nationale du Grand-Duché de Luxembourg et la langue régionale de la région d'Arlan. Son réellement l'a transformée en une langue transfrontalière bien vivante car elle évolue et s'enrichit sans cesse. L'opinion de deux scientifiques de renommée transfrontalière, oh merci, nous a semblé intéressante du fait que la problématique de la promotion du luxembourgeois, aussi bien d'un point de vue culturel que d'un point de vue d'intégration communautaire, devient peu, à peu, devient peu à peu, au commencement du XXIe siècle, un problème important dans la Grande Région. Les personnes ne connaissant pas encore ces deux experts incontournables trouveront à la suite de l'interview quelques informations complémentaires. Cinq questions à Jérôme Luling et à François Chanin. Question. Monsieur Luling, vous avez clôturé en mai dernier le premier cycle de cours de langue et de culture luxembourgeoise à l'Université de Namur. Quelles sont vos impressions et quel bilan pouvez-vous en tirer Monsieur Luling, ce fut une expérience vraiment très enrichissante. J'enseigne déjà depuis quatre ans le luxembourgeois à l'Université de Trèves. Mais à Namur, la situation était totalement différente. En effet... La plupart des étudiants n'étaient pas germanophones, pour eux, le luxembourgeois était donc une langue complètement étrangère. Il a fallu commencer à zéro, les familiariser peu à peu avec les spécificités de ma langue maternelle pour finalement arriver à des résultats qui m'ont agréablement surpris. Lors de l'examen final, les étudiants ont fait entre 4 et 9 erreurs, ce qui est nettement en dessous de la moyenne des résultats. Obtenu à trêve. Il est vrai que les étudiants allemands font souvent des fautes d'interférence parce qu'ils ont du mal à concevoir le luxembourgeois comme langue autonome. Même si je prétends que mes étudiants à Namur arrivent maintenant à comprendre un texte en langue luxembourgeoise, ils sont toutefois encore loin de pouvoir parler la langue. Avec seulement 30 heures de cours au total, il faut quand même rester réaliste et ne pas non plus s'attendre à des miracles. En tout cas, on ne peut que féliciter M. Manfred Pett, de la faculté de philosophie des lettres, d'avoir inauguré un talco de luxembourgeois dans le cadre des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur. Reste à se demander si à long terme, le luxembourgeois réussira à trouver une place dans l'enseignement et la recherche universitaire. Question Monsieur Luling, pouvez-vous nous donner quelques échos des étudiants ayant assisté au cours Comment ce cours a-t-il été perçu par les étudiants Réponse de Luling. Après avoir contribué, après avoir distribué mon cours, qui comprend entre autres des listes de conjugaison de verbes luxembourgeois, certains des étudiants m'ont demandé s'il fallait les apprendre par cœur. Ben ouais. Il est vrai que la, la conjugaison des verbes luxembourgeois pose de délicats problèmes, mais d'un autre côté, il y a le, le lexique du luxembourgeois qui est lui aussi difficile à enseigner dans sa diversité. Ce fut donc un peu décevant pour eux au départ, mais les résultats ont montré qu'ils ne se sont pas pour autant laissés décourager. Alors. Dans mon cours, il y avait également des participants plus âgés, candidats libres, qui comprenaient déjà le luxembourgeois, soit parce qu'ils avaient déjà suivi des cours, ou alors parce qu'ils avaient déjà parlé la langue de leur enfance. Ils auraient préféré un cours axé davantage sur la pratique orale, ce qui fut impossible étant donné que la plupart des autres étudiants ne faisaient que découvrir le luxembourgeois. On voit bien que face à un public aussi hétérogène, il faudrait proposer des cours à plusieurs niveaux, au moins un niveau 1, apprentissage, et un niveau 2, perfectionnement. Donc ça, c'était avant euh, la phase niveau A1, niveau A21, niveau A22, niveau B1, niveau B11, B112. Donc à l'époque, on subdivisait les cours en débutants, intermédiaires, avancés, perfectionnement. Après, donc une autre question, de nombreuses personnes de l'art la langue considèrent que la grammaire de Arl, Mundt-Art, Alfred Bertrand, est un monument de la langue luxembourgeoise. Pourriez-vous nous donner votre avis de scientifique à ce sujet? Ah, ça c'est la réponse de M. Shannon, on ne va pas la lire. <laughs> si, j'ose lire sa réponse, parce que malheureusement, euh, je ne l'ai pas ici au Luxembourg. J'espère euh, qu'il est d'accord. Effectivement, parmi les travaux philologiques traditionnels du 19e et 20e siècle, qui traite l'évolution des unités phonétiques, des sons, du luxembourgeois et des quelques formes grammaticales, le livre d'Alfred Bertrand, paru dans la collection des mémoires de l'Académie royale de Belgique, deuxième série, tome 15, à Bruxelles, chez Mamertin et Hayes en 1921, est un des meilleurs et des plus précis. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une grammaire au sens actuel du terme, comme le précis populaire de grammaire luxembourgeoise de Robert Bourg, paru en 1955, ni d'une grammaire descriptive synchronique, comme celle qu'on en écrit aujourd'hui ou celle que je viens de publier dans Parlant luxembourgeois chez Larmaton à Paris en 2004. Les données rassemblées par le professeur Bertrand d'Arlon sont exhaustives et cohérentes. Son ouvrage est indéniablement un témoin précieux et fidèle du dialecte parlé dans la première moitié du XXe siècle dans la pointe de la province du Luxembourg belge. L'ouvrage a d'ailleurs été primé par l'Académie royale de Belgique en 1920 et si l'œuvre est dépassée aujourd'hui par des méthodes phonologiques plus structurales et des mots for syntaxe plus synthétiques, elle reste une référence scientifique solide. Personnellement, j'ai fait mes études secondaires à differt Massancy de 1948 à 1955, et j'ai donc pratiqué quotidiennement le dialecte de la population locale de l'époque. Je peux témoigner non seulement de la justesse des observations d'Alfred Bertrand, mais aussi de l'excellence de ses méthodes philologiques dont... J'ai profité par ailleurs à partir de 1972 pour la rédaction de ma thèse Recherche sur la syntaxe luxembourgeoise de Schengen, l'énoncé verbal soutenu en Sorbonne en 1980. Oui, l'ouvrage de Bertrand est bien un monument de la tradition philologique luxembourgeoise, même si, depuis sa parution, les sciences linguistiques et la langue luxembourgeoise, y compris dans la province de Luxembourg, ont évidemment évolué. Et ensuite, euh, Jérôme il ajoute. Les propos de monsieur Shannon sont tout à fait justes. Je me permets d'ajuster que personnellement je suis attristé de voir qu'un travail d'une telle qualité ne nous a jamais été présenté durant mon parcours scolaire au Luxembourg, c'est justement ce genre de travail qui fait que le luxembourgeois aurait mérité depuis longtemps sa place dans l'enseignement secondaire et universitaire au Luxembourg. Question. Quelles sont selon vous aujourd'hui les forces et les faiblesses de la langue luxembourgeoise Monsieur Shannon si par le luxembourgeois on entend la langue au sens technique euh, du terme de moyen de communication orale articulée qui se pratique au grand duché de du luxembourg et dans des zones frontalières qui en fait naguère partie d'une région luxembourgeoise plus large sa force et sa faiblesse résident à la fois dans le fait qu'elle est une langue régionale fondée sur une histoire et un territoire partiellement communs cette langue a évidemment évolué de façon différente au Grand-Duché de Luxembourg et dans les zones frontalières belges, françaises et allemandes. Au Grand-Duché, elle était et est toujours la langue parlée par excellence, la langue de la cohésion sociale, ce que veut dire à mon sens le terme ambigu de langue nationale. Relativement peu écrit par rapport aux langues administratives qui sont l'allemand et le français, le luxembourgeois manque cependant de prestige aux yeux même des gens qui le pratiquent on continue à le considérer comme un dialecte bâtard et bien sûr de normes de stabilité voire de standardisation faute de recherche descriptive suffisante faute d'ouvrages de référence moderne à la fois approfondie et solide faute de perspective renouvelée il continue à être considéré comme langue emprunteuse composite éclectique bref il peine à être reconnu comme enfant légitime d'un petit pays et d'un État qui, par l'histoire et par nécessité, est indéniablement multilingue. Petite langue de 280 000 personnes sur une population de 480 000, il a cependant sa cohérence évidente pour qu'il étudie en lui-même une cohérence qui est bien sûr moins phonique que morphologique et syntaxique. Mais son handicap principal est aujourd'hui sa non-rentabilité professionnelle et économique. Et ouais. Ce qui est vrai de la langue luxembourgeoise au Grand-Duché, il est encore bien davantage pour le luxembourgeois, le francique ou le westmose, le qui, peu importe ce point de vue le nom qu'on lui donne, parler en Allemagne, en France ou en Belgique. Chapeauté à la fois par une langue nationale et internationale, l'allemand et ou le français standard, ce luxembourgeois est davantage encore minimisé et négligé et, du point de vue professionnel, autant qu'économique, encore moins rentable. Par ailleurs, il semble plus menacé, encore en raison des nombreux emprunts faits à la langue nationale. Il est... Euh, il est vu et présenté comme, une, comme en régression, voire en voit des disparitions. De ce fait, on pense souvent qu'il faut le sauvegarder et, par un réflexe de protectionnisme, le défendre dans sa pureté et dans sa provincialité. Une attitude protectionniste de cet ordre, qui s'allie parfois à des tendances de régionalisme politique, voire de recomposition nationale, n'est peut-être pas la meilleure des attitudes, si l'on veut qu'une langue vive, il faut la laisser évoluer et vivre, la promouvoir dans ses emplois et ses fonctions. Alors, Jérôme, la plus grande faiblesse du luxembourgeois est certainement son caractère inaccessible. Faute d'études approfondies et d'ouvrages de référence, il est difficile de bien cerner ce luxembourgeois aux facettes multiples. Ceci, vu, ceci vaut donc pas seulement pour les étrangers désireux d'apprendre notre langue, mais également pour les luxembourgophones eux-mêmes, qui souvent comportent des affirmations relativement fausses et des évidences qui n'en sont pas, et de ce fait ne se rendent même pas compte que le luxembourgeois est en fait leur vrai trésor. Question. Avez-vous un rêve ou un souhait particulier quant à l'avenir de la langue luxembourgeoise dans la grande région? Monsieur Shannon, oui, sans lier la langue ni à des identités nationales, ni forcément à des entités politiques. Il s'agit de promouvoir les langues maternelles comme euh, bien indéniable de l'homme et indispensable à son équilibre individuel et social. Quelle que soit sa rentabilité, toute langue maternelle, petite ou grande, mérite d'être pratiquée, étudiée, soignée indépendamment des perspectives identitaires et politico culturelles qui essayent toujours plus ou moins de l'instrumentaliser. Mon rêve est que tous les luxembourgophones passionnés par leur langue puissent se retrouver dans une sorte d'institut de recherche, qu'ils soient luxembourgeois, allemand, belge ou français. C'est par une mise en commun des énergies que l'avenir de la langue luxembourgeoise sera non seulement sauvegardé, mais assuré dans un contexte qui de toute façon restera multilingue et devra respecter fondamentalement le plurilinguisme de notre grande région. Un homme de Jérôme. Il m'est difficile de comprendre pourquoi les choses évoluent si lentement ici au Grand-Duché en matière de langue luxembourgeoise. Depuis le fameux Spruchgesetz de 1984, loi du 24 février 1924 sur le régime des langues, dans laquelle on a consolidé le statut du luxembourgeois en proclamant haut oui, et fort que la langue nationale des luxembourgeois est le luxembourgeois, beaucoup de choses ont certes été dites et écrites, mais peu de projets ont réellement été concrétisés. La langue luxembourgeoise est restée l'enfant pauvre dans l'enseignement primaire et secondaire du Grand Duché de Luxembourg. À l'heure actuelle, il n'y a pas de cours de luxembourgeois prévus à la nouvelle université de Luxembourg il n'existe toujours pas de formation pour les formateurs en langue luxembourgeoise. il n'y a pas de diplôme national pour sanctionner les aptitudes et connaissances d'un enseignant de luxembourgeois. les enseignants de luxembourgeois n'ont pas la possibilité de devenir professeurs de luxembourgeois, c'est-à-dire qu'on ne leur permet pas d'entamer une carrière de fonctionnaire dans l'enseignement scolaire de luxembourg, comme c'est pourtant le cas pour les enseignants de français, allemand, espagnol, latin, etc., 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 etc. les quelques très rares étudiants qui ont réalisé des travaux scientifiques sur le luxembourgeois à l'étranger n'ont pas la possibilité de continuer leurs activités dans un centre ou institut de recherche qui se consacrerait exclusivement à la langue luxembourgeoise, aspect linguistique, sociolinguistique, linguistique, informatique. Tout dépend finalement du bénévolat et face à ce manque de professionnalisme, il est d'autant plus curieux de constater que des universités belges et allemandes dans la grande région ont ouvert leurs portes à la langue luxembourgeoise. Alors, un petit commentaire Abracadabra, Hocus Pocus, Simzalabim, 1, 2, 3. Donc, ça c'était en 2004. Et euh, depuis, tout a changé, sauf pour moi. Et aussi pour Monsieur Shannon. Donc, on a été exclu. Mais bon, pas nos résultats quand même, pas nos travaux alors, euh, ah, c'est déjà la fin. alors, j'imagine ça c'est m. heinen, le journaliste. une chose est certaine, le tandem shannon-lulling mérite d'être salué. des ouvrages comme luxico et la grammaire parlant luxembourgeois sont des outils indispensables pour l'apprentissage de la langue. Il nous, en les, il nous faut encourager les linguistes et autres amateurs avertis à faire de même car il manque cruellement du matériel d'apprentissage pour les francophones désireux d'apprendre la langue. Nous ne pouvons que souhaiter bonne continuation au professeur François Shannon et à M. Jérôme Luling, et nous sommes heureux de constater que la nouvelle génération de linguistes que M. Luling incarne permet de voir pour la langue luxembourgeoise un avenir scientifique sérieux, espérant également que d'autres jeunes universitaires se découvriront dans les prochaines années une telle passion pour l'étude de la langue luxembourgeoise. Oui, comme je viens de dire, il y en a beaucoup qui ont découvert leur passion, voilà. Alors, euh, that was lightning and science. Après, qu'est-ce qu'il y a comme suite Ah, il y a quelques informations sur euh, Monsieur Shannon. Donc, ça c'est Monsieur Shannon avec euh, le tico et sa grand-mère parlant luxembourgeois. M. Shannon est professeur émérite des universités, natif de Schengen, et est luxembourgophone, après des études secondaires à Diffan, mais aussi Belgique, il a fait de la philosophie et de la théologie à Lyon, France. Titulaire des concours français du CAPES et de l'agrégation en allemand, il a soutenu en Sorbonne une thèse d'État sur la syntaxe du luxembourgeois de Shannon, 1980, 4 volumes, 1160 pages. Enseignant en région parisienne, il a été ensuite professeur aux universités de Toulouse et de Montpellier. Auteur de six ouvrages de grammaire allemand, traducteur d'une dizaine de livres de théologie et de poésie, il a publié une centaine d'articles de linguistique dans des revues françaises, allemandes et internationales. Membre de l'Institut Grand-Ducal de 1973, il fait depuis plus de 30 ans de recherche sur la langue luxembourgeoise. Sur cette langue, il a publié entre autres. Outre sa thèse d'état, une longue étude intitulée Observations sur le système verbal du Luxembourgeois, built linguistique et ethnologique, fascicule 21, Institut Grand-Ducal, 1978, page 27 à 90, des Grundzüge à la syntaxe des lux die Verbalgruppe, dont Jean-Pierre Goudaillet, Aspects des Letzbäuschen, Puske, Hamburg, 1987, page 3 à 87. Let's Boy a dans Jean-Marie Zemp, Vergleichende de Grammatik, Französisch-Deutsch, Comparaison des deux systèmes, volume 2, tout, Mannheim, 1984, 355 à 383. La place des éléments verbaux luxembourgeois, dans Germanistik, fascicule 3, Festschrift für Albert Schneider, Centre de Luxembourg, 1991, pages 273 à 297. À la demande du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg, M. Shannon a écrit avec euh, M. Luling l'introduction à l'orthographe luxembourgeoise en vue de coordonner les textes législatifs de 1975 et 1999. Ce texte est disponible gratuitement sur le site euh, cplal.lu du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise depuis 2003. Outre sa collaboration au dictionnaire online luxtico.com et à son édition sur support papier, François Shannon vient de faire paraître aux éditions L'Armaton de Paris un ouvrage intitulé Parlons luxembourgeois, langue et culture linguistique d'un petit pays au cœur de l'Europe, comprenant en introduction des balises sur l'histoire et la vie du Grand-Duché de Luxembourg et surtout une nouvelle grammaire de la langue, page 41 à page 60, 210. Et un dictionnaire de près de 5000 éléments avec une bibliographie commentée et un index grammatical. Enfin, sont apparaître une étude détaillée sur Crayon, plus participe 2, et en collaboration avec Jérôme Luling, Let's Boyish, la langue nationale du Grand de Luxembourg, dans la Revue Lingas Montpellier. Alors, quelques informations sur moi-même. Cette photo a été prise dans le studio de Doc. Euh, je crois que euh, c'est peut-être M. Molitor, le journaliste. Et Monsieur Shannon a aussi été interviewé dans euh, une émission ultérieure. Malheureusement, je n'ai pas cette émission. Mon émission est disponible sur euh, ma chaîne YouTube. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube 2004. Donc, ouais, je l'avais enregistré, puis je l'ai converti et je mis sur, je l'ai mise sur YouTube. Alors, Jérôme Luling est enseignant de luxembourgeois à l'université de Trèves depuis l'été 2000 et à l'université de Namur depuis janvier 2004. Bon, enseignant, je dois dire que à Trèves, euh, j'ai fait ça ensemble avec M. Joseph Reister. C'était une fois par semaine. Bon, C'était un premier contact avec l'enseignement. C'était aussi une période euh, très difficile pour moi parce que je travaillais encore sur ma thèse mais après coup, je dois dire que j'aurais mieux fait de travailler, euh, par exemple, au centre de langue et demander une décharge pour faire ma thèse. parce que une fois que j'avais terminé ma thèse de doctorat en 2003, ma candidature a été refusée pour aller travailler au centre de langue. on m'a expliqué au téléphone que j'étais complètement surqualifié pour ce poste. Voilà. Son cours de luxe, en bourgeois, est disponible gratuitement sur Internet sous ouais, cette adresse. Ne fonctionne plus. Mais à l'époque, je faisais comme ça. Je mettais aussi mes cours à trèfle disp... euh, sur Internet et donc je les rendais ainsi accessibles à mes élèves, à mes apprenants. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. À l'époque, c'était qu'est-ce qu'il fait là? Après avoir passé son baccalauréat à H sur Luxembourg, M. Luling a poursuivi ses études à l'université Polvery Montpellier 3. Inscrit en études germaniques, il a été formé par M. Shannon, son professeur de linguistique germanique, qu'il a également initié aux recherches sur la langue luxembourgeoise. M. Luling a pu soutenir sa thèse de doctorat en novembre 2002 à l'université de Montpellier 3, thèse qui s'intitulait La créativité lexicale dans la langue luxembourgeoise. 490, 499 pages avec trois corpus totalisant environ 105, 105 000 mots. 105 000 mots, ouais, formes de mots aussi. Monsieur Luling est également l'auteur de la liste de mots luxembourgeois élaborée pour euh, le premier correcteur orthographique électronique appliqué à la langue luxembourgeoise. 125 000 formes de mots à consulter sur le site internet crpgllu slash mais là aussi. Ce site, ne... ben, ce site, je crois qu'il est encore disponible, mais euh, le correcteur ne fonctionne plus. En mai 2004, il a publié avec Monsieur Shannon le dictionnaire luxtico.com sur support papier. Il s'agit de la banque de données du dictionnaire en ligne luxtico.com qui compte actuellement 24 000 mots luxembourgeois traduits en langue française et en sens inverse. Au total, donc, 48 000 traductions. M. Luling vient également de traduire en langue luxembourgeoise la bande dessinée aux blessés face à que l'on peut se procurer gratuitement au Européen Parlement, découvrez le Parlement européen par le biais d'un thriller dans votre langue. Ouais, c'était une bande dessinée, c'était beaucoup de travail, mais je crois que le résultat est assez sympa. Après, il me reste encore quelque chose. Ouais, ici c'est une présentation euh, de parlant luxembourgeois. Enfin, une grammaire pour la langue luxembourgeoise. Ah, je fais un peu plus grand, mais je ne vais pas le lire. Ça dure déjà 27 minutes. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur image et lire vous-même. Et puis, ils ont ici aussi publié, euh, parlant luxembourgeois, euh, la table des matières. Donc, une introduction. Et surtout, cette... Euh, Première partie, grammaire de Luxembourgeois, très intéressante. Culture et vie quotidienne, et le petit dictionnaire qui euh, a été fait à partir de, de LuxTico, entre autres. Donc j'ai extrait quelques euh, entrées de LuxTico pour les ajouter dans cette troisième partie. Et la bibliographie et même un petit index donc très intéressant et ça euh, c'était un test que j'ai fait euh, passer au, aux élèves à l'université de namur nous vous proposons de tester vos connaissances en langue luxembourgeoise écrite voici l'examen proposé aux élèves du cours de luxembourgeois faculté universitaire de namur les réponses seront publiées dans le prochain que chouette, bon courage Donc les chiffres, comparatif, mamaï, superlatif, possessif, pronominal, pluriel, quelques verbes à l'indicatif présent, taille, flor et Et puis il fallait traduire quelques petites phrases. Et puis deux questions. De quelle année date la loi sur le régime des langues qui a promulgué le luxembourgeois langue nationale en 2003, la population totale du Luxembourg, compte. Voilà, habitants. En général, ils ont toujours eu des très bonnes notes. Et ils voulaient aussi avoir des très bonnes notes parce que ça leur permettait de compenser avec d'autres euh, matières. Vatranas, donc ça c'était euh, Les Editorial. Les autres. Euh, cet article dans ce magazine. Donc voilà la partie que je viens de vous lire. Très intéressant. 2004, hein, je crois. Ouais. Et si ça c'est euh, la dernière page. Ont participé à la réalisation de ce numéro Christian Heine. Nous remercions M. Luling, M. Shannon. Malheureusement, je ne sais pas euh, s'il y a encore eu d'autres publications. En tout cas, j'étais bien content de retrouver. Ce numéro de Gauchewan, j'avais complètement oublié. J'ai aussi trouvé ceci. Ça, c'était euh, un flyer qu'on distribuait aux gens pour faire de la pub pour Luxtico. Alors, les gens, il y avait un banc de commande. Ça, c'était euh, une dictée que j'avais préparée pour RTL, pour le 17 novembre 2002. Mais... Euh, Enfin, je rentre pas dans les détails, mais finalement, ce n'est pas moi qui a fait cette dictée, mais quelqu'un d'autre. Et pas cette dictée-là, hein. ou enfin, je sais plus. Mais c'était en tout cas quelqu'un d'autre qui s'est occupé de la dictée. Et depuis, bon, là, j'étais plus jamais demandé. Et cet article-là, aussi, je viens de le retrouver, je vais vous le présenter une autre fois, Computer Land date de 2001, ça, cette photo a été prise lors d'une conférence de presse donc ça c'est Dounou euh, qui a travaillé euh, sur le projet dans les derniers mois ça c'est l'informaticien principal c'était euh, l'assistant de monsieur Moussel et il s'appelle Yannick Durand et ça c'était madame la ministre Aniko. et ça c'est moi 2001. Je vais vous le présenter cet article. -là. Ah, ça aussi j'ai trouvé. On va aussi une fois en parler. C'était une invitation à 20 ans de Spruchgesetz. Une table ronde. Et là, il y a le programme et vous voyez que euh, je suis euh, euh, invité à participer à cette table ronde. Voilà. Ich Ist das schon zu. Vielen Nach viel mehr so Übungen fand der auf meinem Internet seit Theorie dazu fand der auf grammar.lu der fand mich auch auf Facebook und auf YouTube und danach die Bücher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen auf Luxemburgisch 170, Witzer op, letze woiech, Veemuls Mercrsiéier opmi Exemmkeet, bis hoffentlich geschwoen, aweier,